Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau jeu. C'est Lego Batman au-delà de Gotham. Donc c'est le Lego Batman 3. Donc je vais pas faire le mode histoire de Batman, mais celui de Arrow. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une série qui passe à la télé actuellement. Et donc ils l'ont adapté en Lego. Donc c'est ce qu'on va faire, enfin, c'est ce que je vais faire. Ok, c'est parti. 3, 2, 1, Je m'appelle Oliver Queen, naufragé sur une île avec un seul but. Survivre. Survivre assez longtemps pour aller dans des toilettes dignes de ce nom. Je vais accéder à la dernière volonté de mon père, me servir de la liste de noms qu'il m'a légués et faire tomber les personnes qui gangrènent ma ville. Pour cela, je dois devenir quelqu'un d'autre. Quelque chose d'autre. Quelque chose de vert et de pointu. Comme une flèche. Pour l'instant, j'ai appris à distribuer des baffes à un bol rempli d'eau. Mais mon entraînement est loin d'être terminé. Imaginez que je me fasse attaquer par un bol de soupe. Pas de la soupe liquide, hein, mais bien épaisse. Genre, avec des lentilles. Rien à voir avec la technique de l'eau. Enfin, bref. Je ne suis pas seul sur cette île. J'ai rencontré un autre survivant, Slade Wilson. Plutôt sympa. À part qu'il a tendance à se mettre beaucoup torse nu et à me coller des baffes. Mais il m'assure que c'est pour mon bien. Il a accepté de m'entraîner au combat pour que je survive. Ce jour-là, Slade et moi avions décidé de nous rendre dans un camp proche dirigé par des voisins pas très aimables. Nous devions nous faire confiance pour que le plan fonctionne. Pour les membres de la brigade du Fort Accord qui nous regardent, oui, des fois j'aime bien m'imaginer sur l'île dans mon costume d'Arrow, ok? Pour ceux qui ne savent pas, l'univers Lego a plusieurs licences, comme les licences Fever, Hobbit, Star Wars, Indiana Jones, etc. Et donc ça retranscrit assez bien l'univers avec un côté mais vraiment décalé de ce qu'il y a en fait. Donc là, je suis intéressé entre Oliver Queen qui est Arrow. Slade Wilson. Donc, vous voyez un bonhomme dans l'arme, celui-là. Enfin, chaque fois, il est libéré. Normalement, voilà. En bas à droite de mon écran, j'ai déjà fait cette mission. Les autres, je les ai pas faites. Donc, celle-là, je vais essayer de la finir vite. Donc, celui-là, il faut les libérer, je sais pas ce que ça donne. Et en bas à gauche, c'est les medikits. Et merci de m'avoir tiré pour de ce mauvais pas. À peu près tous les avoir, au nom de la justice. En normal ou en joli. Donc, les jeux Lego ils sont disposés de deux modes. Donc, le mode aventure et le mode joli. Joli, c'est avoir plein de personnages qu'il faut. Donc, c'est les personnages qu'il y a. Et on peut débloquer le reste des. Comment dire, des mini-équipes. Je sais pas si. Où est-ce qu'on aura besoin d'un autre perso? Oui, donc je sais qu'il faut avoir un medikit pour casser tous les casques là. Voilà, je suis à 3 sur 5. Donc il y a ces casques là. Après, je sais qu'il y a après. Oui, il y a des trucs. Ouais. Vous voyez en haut la barre elle je vais dire en plein milieu de la barre clignote je veux dire et en fait il faut plus de pièces Lego en évitant de mourir je sais pas comment les faire. Les expériences sur l'île m'ont changé. Elles m'ont même parfois changé en une version plastique miniature de moi-même. Il en est de même pour Slade, mais il a toujours un plan pour survivre. Donc le jeu il est en deux joueurs aussi. Il est bon en ligne. Donc bon, c'est pas très grave encore. Sinon, vous voyez là au-dessus de la tête d'Aro, il faut. Bah, je ne peux pas. Je suis obligé de prendre ce qu'il y a. Voilà, hop. Non, ça lui ça ne peut se cacher en fait. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Fréquenter Slade m'a rendu plus fort. Chez moi, je n'avais pas l'occasion de gravir des cascades. Le danger rôdait partout sur l'île.
Il fallait toujours regarder où poser le pied. C'était l'arc de Yao Fei. Slade le gardait là en sécurité. Mais aujourd'hui, il allait nous servir à rendre justice. Deux souvenirs précis me reviennent. J'ai réalisé que je m'étais beaucoup amélioré au tir à l'arc et je me suis demandé comment Slade avait pu bricoler un stand de tir aussi élaboré. Nous étions parés à affronter les bandits. Malheureusement, eux aussi étaient au taquet. Maintenant, tout ce qui est agressif, maintenant je peux les casser avec moi. Ça s'annonçait plus délicat que prévu, à moins de trouver un stratagème. Heureusement, Slade était doué pour ne pas se faire repérer. Comment esquiver à ne pas mourir ? Faut comme ça. Pousse-toi, il a le tué. À quoi sert le côté des ombres ? En mode cactus. C'est assez long comme truc. Il s'agissait en fait d'une embuscade. Tout était soigneusement organisé, comme pour une sinistre fête d'anniversaire surprise, sans cadeaux, ni bonbons, ni cornets de glace. Le seul problème, c'est que c'est assez long. Et voilà, encore une expérience éprouvante sur l'île qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui. Mais bon, faut que j'y aille. Felicity et Deagle s'inquiètent quand je pars en flashback trop longtemps. Et n'oubliez pas, bras tendus et on relâche. Quand vous voyez entre Adam West et ma barre Lego, il y a
entre 2, il y a un cube doré. Et ben c'est quand j'ai 4, c'est-à-dire que à ce niveau-là, je l'ai fini à 100%. Il n'y a plus rien dedans. Donc, ça c'est chiant. Vous avez vu, là, j'ai Green Lantern et je sais plus son nom. Je sais pas, Martin Hunter. Je vais changer les personnages. Voilà, bah ouais, là il y a tous les personnages. Donc moi j'aime bien prendre ces flashs. Pourquoi? Parce que c'est tellement cheaté comme effet. Donc bah c'est tout pour cet épisode. Je vous dis à bientôt dans une prochaine nouvelle vidéo.